السلام عليكم. فأصالة من نفسي ونيابة من شعب الجيني أشكركم جميعا وأشكر المملكة المغربية لأنني من بنين الدال إلى فاس وجامعة محمد خامس فأنا ابن هذا البلد من 3 جامعات فأشكركم على تكويننا وأغتنم الفرصة لأشكر المنظمين والقائمين على هذا التظاهر العلمي جزاكم الله خيرا وسأضطر أن أنتقل الآن إلى لغة الإسعمار. Là, je suis un peu, si c'était possible, avant que je n'arrive à base de données, compte tenu de mon thème, j'avais déjà envoyé la version électronique, si on peut faire appel à chez Mali, pour que je puisse avoir la version électronique, sinon il y aura moins de compréhension par rapport au dernier slide qui ont des banques de données, d'autant plus que ma communication se porte de manière un peu pratique sur le rôle de la finance islamique, mais la promotion et le financement des PME, PMI, une analyse d'expertise de la Banque islamique de Guinée. Moi, j'ai 3 chapeaux. Je suis banquier, je suis professeur d'université et consultant. Donc, j'arrive au moins à avoir cette connexion. La réalité, quand une entreprise nouvellement créée vient en banque, quelles sont les difficultés avec lesquelles elle est confrontée? Et à l'université, cette déconnexion entre le monde académique, universitaire, et la création ou le marché d'emploi, et exactement aussi les difficultés pour les institutions financières d'accompagner hein, les PME, les PMI, surtout avec les risques immenses qui siègent. Ceux qui connaissent un peu le domaine bancaire et sur les risques le savent de quoi je parle. Donc, ma démarche, c'est de, ici, pourquoi le choix de ce thème-là? Je suis profondément touché à chaque fois que je vois des jeunes. Des diplômés ou même des entrepreneurs qui disent que je ne peux pas aller vers les banques classiques parce que ce n'est pas conforme à ma confession religieuse, qui est la question de l'usure. Et qu'ils n'ont pas accès à des fonds qui sont conformes aux préceptes de la finance islamique et surtout, comme nous appelons le Maroc, finance participative, et surtout que sur les 19 banques en Guinée, il n'y a qu'une seule banque et qui est classée 8e. En termes de dépôt, 9e en termes de placement, donc en termes de résultat total bilan, qui est à peu près 10e. Donc vous comprenez un peu cette non-conformité ou l'équilibre entre la socio-culturelle du pays ou socio-culturelle du pays et le monde de l'entrepreneuriat. Donc en résumé, je me suis dit, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser afin de répondre à cette question. Quels sont les secteurs d'activité à promouvoir pour les PME et PMI? Et quels sont les défis et les opportunités? Et surtout, quelles sont les limites qu'il faut trouver des solutions idoines pour améliorer et essayer d'atténuer le maximum, parce qu'on ne peut pas avoir un financement sans risque, mais les risques majeurs. Hein, avec d'autres mécanismes qui vont au-delà de balle 1, balle 2, pour ne pas dire balle 4 qui est en promotion. Honnêtement dit, ça ne colle pas à nos réalités. Et ça fait en sorte que l'anecdote que je dis souvent à mes étudiants, quand on vous demande où est votre oreille, vous dites que c'est ici. Au lieu de dire c'est ici, on vous dit sinon c'est là. Donc, il y a une institution financière dans un pays comme le nôtre qui disent que on ne peut pas. Il faut carrément implémenter balle 2, balle 1, balle 3, ça devient problématique. Je veux automatiquement dire ici que les PME et les PME en Guinée, chaque année, sur les 3 dernières années, on a au moins 2000 PME et PME créés. Ce qui survit ne dépasse pas une centaine. Voilà un peu. C'est pas le problème de la création. En Guinée, en 24 heures ou 72 heures, vous avez votre RCCM, c'est-à-dire vous avez toute la documentation juridique d'une entreprise PME-PME, en moins de 72 heures, avec l'agence pour la promotion d'investissement du secteur privé. Maintenant, pour répondre, nous avons 3 axes dans l'analyse environnementale économique, macroéconomique du pays, exactement l'analyse des bases de données. Réel sur l'exercice 2023,
et quelle politique ou piste de réflexion capable de faire une contre-proposition par rapport à cette triste réalité. Pourquoi la finance islamique? Le taux de la croissance financière en 2020 est de 9,4% de plus de 4 000 milliards. Il y a au moins 650 banques. Dans l'Afrique de l'Ouest, il y a toutes les banques, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui ont une banque islamique ou de microfinance islamique ou de l'assurance tacafri. Et le mode, pourquoi ce modèle-là? Est-ce que c'est parce qu'on est Mohamed qu'il faut aller vers la finance islamique? Non. Ce modèle est un modèle alternatif fort de ses principes, qui est l'éthique et le partage des profits des pertes en tenant compte de ces produits qu'on appelle les produits participatifs. Mais sans savoir qu'il y a trois types de produits, les produits d'investissement, les produits participatifs et les produits annexes. Donc, quand vous regardez les principes phares de cette finance dite participative au Maroc, ça répond exactement à l'aspiration d'un promoteur de PME et PMI, d'autant plus que les principes sont plus souples et que je l'interpelle souvent, s'il y a l'éthique est là, la confiance est là, et que notre benchmark est bien fait, et avec un compte d'exploitation bien ou business plan bien maîtrisé, il peut y avoir d'exploit dans ce sens-là avec ce type de modèle. Donc, avec l'ingénierie de Moucharaka ou de Salam ou de Modara, c'est le moyen par excellence de promouvoir le PME et surtout aussi pour outiller d'autres entrepreneurs par rapport à d'autres produits comme Moraba, Ijara et Tisna. Avec le truc à 23%, vous trouvez des PME qui sont financés à 22%, 21%. Donc, ça veut dire que c'est inconcevable. C'est même impossible pour ces PME d'aller plus loin et avec des garanties hypothécaires qui sont demandées d'une manière extraordinaire, qui ne peuvent pas. Et l'État n'a pas de fonds de garantie pour essayer d'accompagner ces PME. Et il y a également le développement des relations durables. Et surtout aussi que le risque de défaillance des PME est à 77%. Des PME qui ont une existence de 5 ans, pas des PME qui viennent d'être mises en place. Donc, il y a aussi le risque de concentration. Dans une institution financière, normalement, je serais très surpris que la Banque islamique de Guinée, ils sont à peu près à 35% des financements accordés sur l'EGS 2023. Donc, quand vous concentrez sur les PME, la différence, c'est important, c'est vrai, de diversifier les portefeuilles, mais avec quelle entreprise, quel type et avec quel secteur d'activité, là aussi, c'est tout à fait un problème. Donc, les cas pratiques de la banque islamique, il y a un problème qui est lié au risque de défaillance. Les plus élevés sur les PME, j'ai donné le pourcentage tout à l'heure, le coût élevé dans le traitement des dossiers, la complexité de ces financements et surtout les concurrents qui arrivent aujourd'hui, pour, je peux les appeler les moyens numériques ou innovants, les crowdfunding et ainsi que les fintechs et ainsi de suite. Maintenant, pour les opportunités, les PME, ce sont des opportunités pour une banque qui a une vision globale à long terme. Pourquoi? Parce que l'une des relations avec les PME et PMI de financement, c'est de prévoir des potentiels partenaires au futur et surtout qui pourraient permettre de diversifier le portefeuille. La diversification aussi des portefeuilles des clients en finançant les PME réduise la dépendance des grandes entreprises dont un seul départ peut impacter vos ratios à tous les niveaux. Et en cas même de paiement aussi, les ratios seront touchés et qui pourraient être très coûteux pour une banque. Donc la croissance de rentabilité à travers les PME, ils sont plus rentables par rapport aux grandes entreprises parce que c'est vous qui dites la loi. Les grandes entreprises, c'est eux qui vous dites leur loi. Donc ça, c'est connu dans le domaine banquier. Donc, et ensuite, c'est au niveau de ces banques de données. Banque islamique de Guinée, si nous faisons un chiffre en dollars, ils sont placés à peu près 12 millions de dollars sur l'exercice 2023. 12 millions de dollars, faisons-moi le 34% de ce montant-là, qui est exclusivement lié au PME et au PMI. Mais vous savez combien le nombre? C'est juste 77 PME. Donc ça veut dire quoi? Les autres PME ne correspondent pas, ne répondent pas aux critères réels qui permettent vraiment de répondre à cette dimension. Donc, les secteurs les plus touchants, c'est BTP, commerce, agriculture, la nouvelle technologie, les services, transport, industrie et autres.
Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est créer des mesures d'accompagnement technique des PME. Outiller les gens là, des points de vue techniques, pas que les théories, techniques et pratiques, afin qu'ils puissent promouvoir les PME et PMI, et surtout la mise en place des fonds de garantie par l'État pour rassurer les banques primaires, afin qu'ils puissent s'aventurer à accompagner et assouplement fiscal pour les 5 premières années de la mise en place ou la création d'une PME et PMI, et mettre l'accent sur l'agriculture et l'industrie, surtout, comme on appelle, petite industrie, dont nous avons tous, on importe tout de l'Afrique, donc il vaut mieux aller dans ce sens-là, et la valorisation des métiers professionnels. Donc pour ne pas m'abuser du temps, je me limite là, je vous remercie.